prenez ce que vous avez appris là-bas. Venez investir dans votre pays. Venez investir dans votre pays. Ça te sert à quoi de revenir, de nous montrer des belles photos aux États-Unis? Ce n'est pas toi qui as fait les États-Unis. De faire des belles photos, tu es à Paris. Ce n'est pas toi qui as bâti. Mais viens bâtir à zéro ici. Dans cette vidéo, nous allons écouter le pasteur Marcelo Tounazi qui parle d'une vision qu'il a eue concernant l'importance du retour en Afrique. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas que la condition de l'Afrique est d'abord une condition qui est liée à la mentalité. Et tant qu'on n'a pas compris cela, il est impossible que nous comprenions le reste des choses. Quand on aura compris que c'est d'abord une condition spirituelle, on pourra maintenant entamer la délivrance. Je vous laisse donc écouter le contenu de la vision du pasteur Marcelo Tounazi et on revient juste après pour faire des petits commentaires. Voici une vision que j'ai eue avant-hier et hier. Et moi, souvent, quand j'ai une vision, je demande souvent à Dieu de me la répéter pour que je sois sûr que c'est lui. J'ai vu une fille qui avait un vélo. Elle était très intelligente parce que ce vélo, c'est elle qui l'avait créé. Et puis, j'ai vu une autre, elle avait une moto. Cette moto, c'est elle qui l'avait créé. Et puis, j'ai vu un mécanicien qui avait créé un moteur, mais il ne savait pas trouver la carrosserie pour ce moteur. Et j'ai vu un autre designer qui avait un bon design d'une voiture, mais qui n'avait pas de moteur. Celle qui avait fait le vélo, c'était pas un vélo parfait. Celle qui avait fait la moto, c'était pas une moto parfaite. Et celui qui avait le moteur cherchait la carrosserie. Et celui qui avait le design cherchait le moteur. Et chacun d'eux était insatisfait dans sa création et dans sa quête. Et je voyais cela. Des personnes intelligentes, mais qui échouent parce qu'elles doivent se faire compléter l'une par l'autre, mais qui refusaient. Et puis j'ai vu quelqu'un venir auprès de ces personnes et leur dire: vous n'êtes pas fatigué de cette situation. D'être dans un pays aussi béni, mais d'être aussi pauvre. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans cette grande nation, mais être pauvre. Alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas le 1 millième de ce que vous avez, mais qui vivent dans le confort. Qu'est-ce que Dubaï a? Qu'est-ce que Singapour a? Vous avez tout pour réussir. Mais vous échouez. Vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Alors lorsque cette personne a parlé, ces personnes ont décidé de se mettre ensemble. Lorsque chacune d'elles travaillait, c'était de petits rêves. C'était le rêve d'une moto, d'un vélo, d'une voiture. Mais au fond d'elles, il y avait un plus grand rêve. C'était de construire une navette spatiale qui peut aller habiter dans le soleil. Et puis j'ai vu ces intelligences se mettre ensemble. Mais j'ai vu d'autres personnes qui n'étaient pas parmi les quatre venir. Et ces personnes parlaient beaucoup de langues. Et Dieu m'a dit, ce sont vos frères qui sont allés à l'étranger, qui doivent revenir pour bâtir leur nation. J'aimerais parler aux Camerounais qui sont à Paris, qui sont aux États-Unis. L'Amérique s'est déjà faite, la France s'est déjà faite, l'Angleterre s'est déjà fait. Mais le Cameroun a besoin de votre expertise. Prenez ce que vous avez appris là-bas, venez investir dans votre pays. Venez investir dans votre pays. Ça te sert à quoi de revenir, de nous montrer des belles photos aux États-Unis? Ce n'est pas toi qui as fait les États-Unis. De faire des belles photos, tu es à Paris. Ce n'est pas toi qui as bâti. Mais viens bâtir à zéro ici. Rares sont les Africains qui deviennent des milliardaires en Europe. Mais tu peux devenir milliardaire dans ce pays. Rares sont les Africains qui deviennent des multimillionnaires en Europe. Mais ici, tu peux devenir multimillionnaire. Faut-il que tous nous puissions jouer au football, au basketball pour réussir en Europe? Venez ici commencer des hôpitaux, arranger les routes, faire qu'il y ait l'eau et l'électricité partout. Venez ici donner cours à l'université parce que Dieu ne vous a pas donné toute cette richesse en vain. Il y a un but, vous devez devenir une grande nation au cœur de l'Afrique, pas seulement dans le domaine du football. Vous n'êtes pas que des footballeurs, 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 vous n'êtes pas que des footballeurs. Alors, pour commencer à analyser, dans son intervention, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il est en train de montrer ici le fait que, en réalité, quand vous allez en Occident et que vous commencez à prendre des photos à la Tour Eiffel, partout, vous n'êtes pas chez vous. Même si vous essayez de vous convaincre, oh, mon nouveau chez moi, vous n'êtes pas chez vous. C'est le pays d'autrui. C'est pas toi qui as construit ça. Ce sont les autres qui ont construit. Reviens chez toi, voyage là-bas pour acquérir un certain savoir-faire, ensuite reviens au pays pour commencer à développer. C'est très important. Et on insiste dessus, pas parce qu'on veut agacer les gens, mais parce que simplement, il est important que chacun d'entre nous contribue. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut rien construire en étant en ordre dispersé.
L'Afrique doit arrêter d'être un endroit où on vient juste pour faire la bringue, les vacances. L'Afrique doit arrêter d'être pour toi un endroit où on vient juste faire procéder aux enterrements. L'Afrique doit cesser d'être un endroit où on vient juste pour sortir, coller les petites et après on repart en Europe. On doit arrêter avec cette mentalité, les gars. On doit bosser sérieusement, chacun pour sa part, chacun à son petit niveau, pour faire en sorte que notre continent devienne réellement cette terre de nos ancêtres que nous allons développer et vers laquelle nous allons bâtir l'idéal auquel nous rêvons tous. Dans la réalité des faits, l'Occident est certes une terre qui nous promet mondes et merveilles, mais ce que vous devez comprendre en réalité, c'est que ce ne sera jamais chez toi et moi. Tu peux même avoir la nationalité, tu ne seras jamais considéré comme étant chez toi. Regardez actuellement, ils sont en train de mettre en place des systèmes de tracking de toutes les personnes qui n'ont pas les papiers. Pourquoi ils le font? Parce que simplement, ils ont compris que non, vous devez repartir chez vous. C'est une opportunité que le destin est en train de mettre sur notre main pour dire que pour ceux qui ne veulent pas repartir, voilà une condition de repartir forcée. Vous êtes en train de passer votre temps à faire des lives, à vous plaindre. On a supprimé ceci, on a supprimé cela. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à faire cette pleurnicherie? Comprenez, réalisez que vous devez repartir chez vous. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne se sont pas encore développés financièrement, on comprend. Ils sont en train de chercher des moyens de pouvoir repartir. Mais dès que vous avez eu la possibilité, commencez avec le peu que vous avez. N'attendez pas d'avoir 1 milliard pour commencer à développer des choses dans votre famille sur place. Non, commencez avec le petit peu que vous avez et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous développer. Et quand vous aurez réussi à amener les conditions que vous avez en Europe chez vous, vous pouvez facilement revenir. En réalité, les gens fuient quoi? Les gens fuient les conditions de vie. Les gens fuient la précarité. Mais si vous parvenez par le peu de moyens que vous avez, parce que c'est possible ici, avec peu de moyens, de construire des grandes choses au pays, de construire des choses pérennes au pays, des choses qui vous accordent le minimum de confort possible. Mais pourquoi ne pas revenir? En réalité, vous devez comprendre que nous, nos pays sont sous-développés. Nous avons la compétence soi-disant, mais nous préférons rester en Occident avec cette compétence sans pourtant venir dans les contextes réels, étudier, comprendre le contexte et ensuite se frotter à ce contexte pour pouvoir participer, contribuer à changer les choses. On ne peut jamais changer les choses aussi longtemps qu'on s'éloigne, aussi longtemps qu'on préfère rester dans son coin, aussi longtemps qu'on préfère seulement chercher sa satisfaction personnelle. Le dessein que moi j'ai, c'est de penser à vos générations futures, vos petits-fils et vos arrière-petits-fils. Quelle est l'image qu'ils auront de vous? Quel est le pays que vous allez leur léguer? Un pays où il y a la dictature? Un pays où on dit qu'il n'y a pas l'eau, le courant? Un pays où il n'y a pas l'électricité? Parce qu'en réalité, toutes les nouvelles générations rêvent d'une seule chose, c'est de repartir chez eux. Même s'il y en a quelques qui essaient de s'accrocher, même s'il y en a quelques qui essaient de revenir, mais tous ceux qui viennent ici et qui découvrent le contexte, qui découvrent la réalité et qui prennent le temps de se développer surtout, elles comprennent qu'il est important de repartir chez soi parce qu'on est mieux servi que chez soi. On ne sera jamais mieux servi chez les autres. Donc, il est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir développer cet état d'esprit. Et je me réjouis parce que l'Église arrive à devenir maintenant un acteur majeur dans cette lutte. Je pense que si l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, a eu cette vision, c'est certainement parce que c'est une préoccupation dans son cœur. Il s'est rendu compte que les gens n'ont plus le souci de repartir chez eux. Et donc, le fait qu'il évoque cela, ça prouve que réellement, il y a quelque chose derrière. Les multinationales et les pays de l'Occident ont compris une chose. C'est qu'en réalité, les Africains n'aiment pas chez eux. Et comme ils n'aiment pas chez eux, on va leur offrir un système qui leur permette de venir de façon clandestine, de se retrouver ici. Et nous, on va derrière instrumentaliser ce système qui sera non seulement un manque à gagner pour eux parce qu'ils vont perdre la majeure partie de leurs ressources humaines. Et nous, derrière, on va se faire de l'argent avec ce système. C'est un système qui nourrit certaines bouches. Mais sauf que nous, les Africains, on ne l'a pas compris. Et donc, on se contente de devenir ceux qui vont alimenter ce système en justifiant notre déplacement par le fait que chez nous, il n'y a pas les bonnes conditions. Mais derrière, on oublie que ça profite aux autres. L'immigration clandestine profite à toutes ces grandes multinationales qui mettent en place des systèmes et qui derrière vont pour exploiter les matières et les rapatrier, n'est-ce pas, en Europe, pour continuer de huiler ce système. Mais si tout ce temps que nous sommes, on développe une mentalité qui consiste à dire « je vais m'ouvrir au monde, je vais voyager pour explorer le monde, mais ensuite je vais revenir chez moi ». En réalité, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'années pour le faire. Vous avez besoin au plus de 5 ans. Et en 5 ans, vous effectuez votre retour et vous venez pour pouvoir commencer à bâtir les choses. Et vous devez faire des études en fonction des réalités de votre pays. Des fois, vous faites des études, permettez-moi entre guillemets, inutiles. Tout le monde médecin, tout le monde médecin, tout le monde médecin. Un pays de médecins. Allez apprendre l'élevage. Allez apprendre l'agriculture.
allez apprendre l'élevage. Sortez de l'orgueil. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Allez apprendre comment transformer le bois. Allez apprendre comment faire des routes avec des pierres. Allez apprendre à développer votre nation. Faites des études en fonction des problèmes de votre pays. Au lieu d'avoir que la fierté, j'ai 7 doctorats. Qu'est-ce que ton pays fait de tes doctorats? Si votre travail c'est seulement étudier, il y a un temps d'arrêter d'étudier pour travailler. Il y a un temps d'arrêter d'étudier pour travailler. Parce que si vous êtes des éternels étudiants, les étudiants ne développent pas le pays. En ce qui concerne la question des étudiants, je pense qu'il a totalement raison. On ne peut pas rester étudiant toute sa vie. Il y a un temps pour tout. Vous devez prendre le temps d'étudier, d'apprendre, de comprendre et d'avoir une expérience, une expertise. Et ensuite, prendre cette expertise-là et pouvoir la rendre disponible pour contribuer au développement. En réalité, on étudie parce qu'on a un but derrière. Et il est important qu'en tant qu'étudiant, on développe des vrais projets qui vont plutôt nous servir. Et surtout aussi qu'on apprenne à étudier des choses qui sont directement utilisables derrière par rapport à notre société. Personnellement, moi je regrette aujourd'hui d'avoir fait des études de lettres dans la mesure où je me suis découvert plusieurs potentiels. Non pas que j'ai forcément envie d'avoir des diplômes dans ces potentiels-là pour pouvoir me développer ou pouvoir contribuer au développement, pas du tout. Mais je dis simplement que si j'avais eu la connaissance que j'ai aujourd'hui à l'époque où je m'inscrivais à la fac, j'aurais pu choisir des parcours beaucoup plus pratiques et qui m'auraient aidé non seulement à faire des études qui ne soient pas forcément chronophages, mais à faire des études qui sont beaucoup plus applicables directement aux besoins de la société. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant que les hommes de Dieu s'intéressent à cette thématique qui est le retour au pays. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas avoir un esprit patriotique et ne pas être sensible à ce cri d'alarme. Même si derrière les personnes qui disent ces choses, vous ne partagez pas forcément leurs idées, même si vous ne partagez pas forcément ce qu'ils pensent dans la totalité, mais il n'en demeure pas moins que l'idée qu'ils sont en train de mettre sur la table est une idée qui mérite une attention particulière de notre part. Déjà, ce qu'il y a de particulier dans ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de toucher des points sensibles. Ce n'est pas le voyage qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire et surtout, comment tu vas capitaliser ton voyage quand tu vas revenir. Comment est-ce que tu vas utiliser le fait d'avoir voyagé et quelle est l'utilité que tu vas avoir en réalité? C'est ce qui est important, ce n'est pas le fait de voyager juste parce que la personne est partie à Paris, la personne se retrouve en Belgique, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu vas devenir et comment est-ce que tu vas revenir pour exploiter ce que tu es devenu et le rendre disponible aux autres. Lorsque nous autres, on se lève pour dire ça, les gens se mettent à nous insulter, à mettre des commentaires désagréables, on va toi-même et tout. Mais là, c'est un homme de Dieu qui en parle. Et il est en Afrique, il n'est pas en France, il ne vit pas, non, il vit sur place au pays. Et ce qu'il est en train de dire, ce sont des réalités. Tu es en France, ce n'est pas chez toi. Tu vas faire des photos à la Tour Eiffel et tout, oui, c'est bon, mais ce n'est pas chez toi. Il faut que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes, il faut qu'on te répète ça, pasteur, répète encore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On like, on s'abonne, on partage et surtout on commente. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. En attendant, je vous dis